Oh wow, t'as vu ça? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec la télévision. Elle ne fonctionne pas. Allez, j'ai pas le temps pour ça. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qui va pas, chérie? Regarde, la télé est en panne. Oh, pas quand je suis là. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Nous avons un problème. Elle est morte, ma chérie. Le monde est cruel, c'est cruel. Il faut que j'arrange ça. J'ai une idée. Regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Tu voulais regarder la télévision, n'est-ce pas? Si je tourne cette manette, l'écran bouge. Regarde ce qui se passe. Wow, c'est vraiment cool. C'est certain. Tiens, ma chérie. J'avais jamais vu ce spectacle avant. C'est l'un de mes préférés. Oh, j'ai du carton en réserve. Je peux vraiment l'utiliser. Regarde ça, Mindy. T'as toujours voulu un animal de compagnie, mais celui-ci est assez spécial. Oh, de l'argent, je suis riche. Alors je le donne au chat? Il a faim. Wow, c'est une banque. C'est incroyable. Nous pouvons économiser pour une nouvelle télévision. Je suis heureux que tu l'aimes. Viens, papa, regardons le spectacle. Oh. Prête? Prépare-toi à perdre. C'est parti. J'utilise les ingrédients les plus frais. Meg, qu'est-ce que je t'ai dit? Pas de crotte de nez. Ça me donne une idée. Ça pourrait passer pour une tasse ordinaire. Je vais y verser l'œuf. Beurre dégoûtant. Ça sépare également le jaune d'œuf et le blanc. Plutôt cool, hein? Waouh, je n'ai jamais rien vu de tel. Je vais devoir passer au niveau supérieur. Oh, ça ne va pas du tout. On pourrait dire que mon plat est comme neuf. Très drôle, Meg. Ce n'est pas fini, mamie. Comment? Comment tu as fait ça? Et maintenant, nous avons besoin d'un juge. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste envie de lire le journal. Je suis ici. Aïe! J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour vous. J'ai l'air si jeune. Vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on attend? Voyons voir. Ça semble intéressant. Voici votre premier défi. Une salade délicieuse et saine. Vous pouvez commencer. Oh, waouh! Regarde-moi tous ces légumes. On va bien s'amuser. Je vais commencer avec un oignon. Mais je n'ai pas besoin de le couper. J'ai ce gadget super pratique. Ça facilite grandement les choses. Je mets l'oignon ici. Ces pointes permettent de s'assurer qu'il ne va pas bouger. Ensuite, je tourne la poignée. Ça fonctionne! Waouh! J'adore! De belles et fines tranches d'oignons. Regarde ça, grand-père. C'est hypnotique. J'ai le tournis rien qu'à le regarder. Réfléchissons. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Ah, tu crois? Je n'ai pas besoin de gadgets sophistiqués, j'ai ma perceuse. Je glisse le poivron sur la brochette en bois. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. J'ai toujours aimé le bricolage. Je suis sur le point de vous en mettre plein la vue. Tada! Mettons un peu de piment, si je peux me permettre, le jeu de mots. Je vais essayer un gros poivron cette fois-ci. Ouf, c'est difficile, je suis épuisée. Hein? Mamie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Impeccable! Je suis une vraie machine à couper les légumes. Coupe, coupe, coupe. Ouf, ça devrait suffire. C'était amusant. Comment? Comment tu as fait ça? C'est incroyable! Je suis vraiment impressionnée! Je ne pourrai jamais faire mieux que ça. Avec mon ruban en oignon. C'est assez gênant. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du jugement. La décision n'est pas difficile à prendre. C'est mamie qui gagne. Oh, merveilleux. Je suis ravie. Quelqu'un veut-il un légume? Non, ça va. Allez, c'est bon pour la santé. Oh, ce n'est pas grave. Il y en a plus pour moi. Très bon travail. Voici tes bonnes nouilles, chérie. N'oublie pas que tu dois tout manger. Tu peux compter sur moi, papa. Prête ma poupée. Waouh, que tu danses bien. Tellement gracieuse. J'aimerais pouvoir bouger comme ça. Comment ça se fait que tu n'aies pas le tournis? Je pense que c'est bon comme ça. Le simple fait de te regarder m'a donné faim. Délicieux. Voilà de bien bonnes nouilles. Ok, poupée, à toi de jouer. Ne t'arrête pas de tourner. Ouf. Enfin à la maison, ce match de foot a été intense.
J'ai besoin de me reposer. J'ai hâte d'enlever ces chaussures. Ah, ça fait du bien. C'est l'heure de la sieste. Attends, c'est bien du fromage? Ça pique les narines. Je pense avoir trouvé le coupable. Il faut qu'on lui enlève ça. Je ne peux pas laisser sa mère voir ça. Oh, c'est pas vrai. C'est une blague. Un insecte. Tu sais que j'ai dit pas d'animaux. Qui sait ce que je vais trouver là-dessous? Celui-là est pire. C'est dégoûtant. Quoi? En fait, je ne veux pas savoir. Je sais comment résoudre ce problème. Tu viens avec moi. Oh. J'ai rempli une chaussette de savon. Je vais m'assurer de bien couvrir les pieds de Betty avec. Je peux ensuite utiliser cette boîte en caoutchouc pour le nettoyer. Ça devrait bien le rincer. J'espère que l'eau est bien chaude. Ça devrait suffire. Et maintenant, retour au lit. Waouh, il n'y a plus de saleté. Ils sont impeccables. Je vais m'assurer que Betty est bien installée. C'est mieux. Dors bien, ma chérie. Quelle journée! Sortons d'ici. Chut, ne réveille pas le géant. C'est l'heure de jouer. C'est parti. Non, ne fais pas ça. Je sais ce que je fais. Laisse-moi faire mon truc. Attention. Wouhou. On a réussi. Top là, ma copine. C'est génial. Je me sens tellement vivante. Ne me laisse pas tomber. Waouh, la pièce tourne. On monte. On ne devrait pas... Si. Allez, ça va être marrant. Betty ne comprendra pas ce qui s'est passé. Elle avait besoin de se refaire une beauté. Avec ça, elle va briller de mille feux. Waouh, notre œuvre est terminée. Excellent travail. Allez, la nuit est encore longue. Il est temps de prendre la route. J'ai toujours voulu faire ça. Accroche-toi bien. Ça risque de bouger un peu. Je n'ai pas de permis de conduire. Attends, c'est maintenant que tu me dis ça? Oh là là, c'est génial. Wouhou, plus vite, plus vite. Allez, appuie sur l'accélérateur. Tu n'as encore rien vu. Oh, ouais! Voilà de quoi je parle. Je vais vomir et j'adore ça. Je ne veux pas que cette nuit se termine. On ferait mieux de retourner se coucher. Ouais, je suis super fatiguée. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Tu te souviens de l'époque où on pouvait faire la fête toute la nuit? Ouais, c'était le bon temps. Ah, c'est déjà le matin? J'ai fait des rêves complètement fous. J'ai rêvé que mes poupées étaient vivantes. Attends, quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? C'était un rêve, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que oui, je ferai mieux d'enlever ça. Allez, allez! Non, ne passe pas la balle! Oh, pourquoi ils ont fait ça? Hé, papa, on joue? Pas maintenant, ma chérie, le match a commencé. Allez, on ne joue jamais ensemble. Tu as vu le temps qu'il fait? Tu ne peux pas sortir, il y a une tempête. Effectivement, dit comme ça, j'avais hâte de sortir. Désolée, ma petite. La prochaine fois, peut-être. Oh, j'ai raté un but. Papa passe plus de temps à regarder le sport qu'avec moi. C'est tellement injuste. Bon, je vais jouer avec le mur. Encore. Oh, bien attrapé. Regarde ça, papa. Betty tire et elle rate. Hé, attention. Waouh, en arrière. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Passe, passe la balle. Vas-y. Non. Waouh. Oh, il va avoir une bosse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de quelque chose qui volait dans les airs et ensuite, bam! Attends, regarde ce bazar. Ce n'est pas possible. Betty, c'est toi qui as fait ça? Ta mère va être furieuse. Tout est gâché. Betty n'est pas là. Oh! La prochaine fois, joue dehors. Il pleut encore pas mal dehors. Mais ce n'est pas grave. Tu peux prendre ce parapluie. Peut-être pas. Ça va à la poubelle. Attends, j'ai une idée géniale. Attends, ici. Ah! Je vais devoir faire quelques modifications. Ciseaux. Oh ouais, voilà. Bonne chance. J'espère que ça va marcher. Scotch, tout de suite. Vas-y papa, tu peux le faire. Je pense que ça devrait suffire. Waouh, c'est magnifique. Essaye-le. Oh, c'est agréable à porter. On est assorti. Prête à jouer? Plus que jamais! C'est parti! Ce produit est incroyable! Oh! Bon, ça n'était pas prévu, ça! Cette étagère n'est pas très résistante! À la poubelle! C'est là qu'est ta place! Attends voir! Intéressant! Je pense que je peux en faire bon usage!
Je vais mettre le torse du mannequin sur la table. Ensuite, je vais l'ouvrir en deux. Je vais déposer des étagères à l'intérieur. Je laisse le même espace entre chaque planche et maintenant, je remets l'autre moitié. Place à la décoration. Dis donc, c'est très réussi. Je vais le mettre juste ici. J'adore la couleur. Et j'ai plein de rangements pour mes affaires qui ne tomberont plus par terre. Pile ce qu'il me faut. Ah, parfait. Pour rendre un repas plus fun ou pour récupérer tout ce qu'il reste dans un pot, nos petites astuces culinaires du jour peuvent s'avérer très utiles. Regarde la suite pour les découvrir. Un film et des nouilles chinoises, c'est le meilleur des duos au monde. Emma? C'est pas des nouilles, ça. T'es sur le point de manger tes cheveux. Mais comment ça a pu se produire? Oh, c'est dégoûtant! Et mes cheveux sont tout collants maintenant! Les cheveux longs, parfois, c'est une plaie! Je ferais mieux de les couper! Excuse-moi, mais c'est trop drôle! Parle pour toi! Finalement, la solution était là depuis le début! Tu trouves ça drôle, hein? Regarde ma super astuce vestimentaire. Plus de cheveux pour m'embêter, t'as vu? Tu vas quand même les manger? Attends, j'ai une idée! On est toutes les deux tranquilles maintenant! C'est normal que la chimie soit aussi dure? Il faut une petite douceur pour faire marcher mes méninges. Du chocolat, ce sera parfait. N'est-il pas parfait? C'est juste une petite douceur, maman! Pas avant d'avoir fini tes devoirs! Il faut que tu te concentres, Lizzie. Me concentrer sur tous ces bonbons, tu veux dire? Sérieux, maman? Est-ce que toutes les mères sont aussi strictes? Il faut juste être un peu fourbe. Tu vois cette grosse brosse ronde? Eh bien, elle est vide à l'intérieur. Verse tout simplement des bonbons dedans. C'est quoi ce vacarme? J'espère que ce ne sont pas des bonbons. Vite! Mets-les tous dedans! Et fais semblant de travailler! Ni vu ni connu! C'est sur ça que tu travailles! Des bonbons? Tu n'écoutes vraiment rien, hein? Oh! Je suis plus maligne que tu ne le crois! Stock de bonbons secrets à la rescousse! Viens voir maman! Oh, pourquoi sont-ils toujours aussi bons? Ce que maman ne sait pas ne peut pas lui faire de mal. Oh là là, j'aime vraiment bien le ménage. Oh, on m'appelle. Oh, c'est trop gentil de sa part. Mamie va venir nous voir et elle a un cadeau pour toi. Tu as hâte? Youhou, je suis là. Qui est cette belle grand-mère, hein? Bonjour, entre. Ça, c'est mon beau petit garçon. Regarde ce que mamie t'apporte. Tu es en train de devenir un grand garçon. Je suis contente de vous voir. Alors, tu ouvres mon cadeau? Comment tu trouves? Oh! Oh non, ce n'est pas ça. Je suis sincèrement désolée, ce n'est pas du tout ça. Pas de problème, maman. Il les mettra en grandissant. Tu vois? Elles lui vont presque déjà. Elles sont superbes, regarde! Essaye un peu de marcher avec. Bon, elles sont peut-être un peu trop grandes pour lui. Je les aime bien. Attends une minute, je sais comment régler ça. Pose ton pied sur cette feuille, chérie. Je vais tracer le contour de ton pied. Voilà, c'est bien.
Maintenant, je découpe l'empreinte. Tiens, maman, prends ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh, je vois. Je veux des chaussures de cette taille. C'est pour mon petit-fils. Un instant. Je pense que celle-ci pourrait convenir. On va les essayer. C'est la taille parfaite. Je vais les prendre. Oh, merci. Passez une bonne journée. Alors, chérie, mamie a les bonnes chaussures cette fois. On les essaye? Pied gauche d'abord. On va serrer le scratch. Ça a l'air beaucoup mieux. Je suis trop contente. Tu as déjà fabriqué quelque chose en carton? Dis-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis, de l'aimer et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. J'ai raté quelque chose? Non, le film vient de commencer. Une petite minute. Je vais bien m'installer. C'est mieux comme ça. Il y a un trou là? Ça sort d'où? Pardon, donne-moi ce plaid. Pas de problème, j'ai la solution. Oh oui, ça me plaît. Attends, tout ce que tu veux. Oui, ok. Voilà, on va utiliser ça. Mon t-shirt va permettre de recouvrir le trou, tu vois? Ah oui, c'est pour ça que tu te déshabillais. J'avais bien compris. Je reviens tout de suite. J'ai une idée. Il me faut ce carton de vieux t-shirt. Je vais étaler ce t-shirt sur la table et je vais le couper au milieu. Je coupe bien les deux couches du t-shirt, mais sans aller jusqu'au bout. Je veux juste découper l'image. C'est bien comme ça. C'est cette partie qu'il me faut. Je l'étale bien comme ceci. Et je vais répéter l'opération avec d'autres t-shirts, jusqu'à obtenir plein d'images. Ensuite, je vais les coudre les uns aux autres. Ça va faire une couverture patchwork. Regarde ce que j'ai là! Oh, elle a l'air trop confortable. Incroyable, je l'adore. Viens, on s'installe. Les images sont super sympas. Je l'ai faite moi-même. Tu le mérites bien. J'adore nos soirées films. Comment vais-je terminer tout ça? Ok, je crois que j'ai compris. Oh, saleté de stylo. Oh là là, je ne comprends rien à ce que je fais. Au moins, mon café me tient éveillée. Allez, on se concentre. Au fait, je connais la réponse à cette question. J'y arrive. Je crois que la réponse est la B. Recharge de café. Maintenant, on peut parler. Ah. Oh, je commence à voir flou. Oh. Oh, je n'ai pas le temps de dormir. Je dois garder mes yeux ouverts. Oh, mes devoirs, ils sont trempés. Quel désastre! Je suis un vrai empoté! Rechargeons! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as renversé du café partout? Mon pauvre! J'aimerais tant pouvoir t'aider! En fait, je crois que je peux le faire! Donne-moi ta tasse! Ce couvercle de Pringles tient parfaitement dessus! Cela devrait éviter un autre accident! Où en étais-je? Non! Hé! Le café ne s'est pas renversé! Lily a vraiment assuré là-dessus! En plus, ça garde la chaleur! Si seulement elle pouvait aussi résoudre ce problème! C'est la fête! Tout le monde danse! Les mains en l'air! Phew! Il fait chaud ici! Je crois que je vais faire une pause! Il n'y a pas de place sur le canapé. Et ses pouces sont pris. Bon, plus qu'à essayer de me faire une petite place. Hé, hey, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'on est là? Oh, oh! Mince, je suis tombée. Bon, il n'y a pas de place pour moi, visiblement. Hé, hey, qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh mince, cette bouteille est vide. Je vais la jeter. La poubelle est remplie de bouteilles de soda vide. Je fouille encore un peu. Ouais, j'ai une super idée. J'ai récupéré toutes ces bouteilles et une boîte en carton. Je dois juste bien les mettre pour qu'elles rentrent toutes. Parfait. Maintenant, je referme le carton. Je vais mettre du scotch pour être sûre que ça ne s'ouvre pas. Hé, tu peux m'envoyer ce coussin? Merci, ça va être parfait. J'ajoute une petite couverture au-dessus et aussi sur le côté. Maintenant, je dois faire usage de mes talents de couturière.
très bon. Je vais coudre tous ces petits tapis les uns aux autres. Bon, ça devrait être bon. Je vais juste retirer ce qui dépasse. Voilà, je me suis fait mon propre siège. Et il est tout mignon. Allez, je peux retourner à la soirée avec mon pouf. Je l'aime tellement. Mais j'ai un peu faim, là. Alors, je préfère quelque chose à manger ou à boire? À boire, en fait. Hé! Il vient de me voler mon siège! Oh, merci. Je veux bien une chips, oui. Là? Oh, elles sont très belles. Quelle belle surprise. Oh, il y a un mot. C'est de la part de Kevin. Oh, il est trop mignon. Où est-ce que je vais les mettre? Ah! Doucement! Non! Pfiou, bien rattrapé. Ce vase sera mieux. Je réessaye. Sérieux? Pourquoi la même chose se reproduit? C'est mieux comme ça. Bon, ça suffit. J'abandonne. De toute façon, les fleurs s'est dépassé. À moins que... ces pierres peuvent peut-être m'aider. J'ai une super idée. C'est parti. Je vais ajouter les pierres au vase et je vais verser la potion magique. Je rigole. C'est juste de l'eau. Mais comme ça, mes fleurs devraient rester dans le vase. Allez, je vais les mettre dedans. Oh, elles sont si belles. J'ai beaucoup de chance. Je suis contente d'avoir pensé à ça. Ce vase rend super bien. Il faut que je dise merci à Kevin. Ouf! C'est trop dur d'aller jusqu'à la porte comme ça. Phew, j'ai réussi. Oh là là, chérie, qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Oh bah, je jouais au foot. Tu n'imagines pas à quel point je courais vite derrière le ballon. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je bataillais avec une fille de l'équipe adverse pour récupérer la balle. Elle était coriace, mais je savais ce que je faisais. J'ai réussi à lui prendre la balle et ensuite, j'ai traversé tout le terrain. Et puis, ben, j'ai trébuché. Je me suis tendu la cheville et je suis tombée. Et on a perdu le match à cause de ça, juste parce que je suis tombée. Oh, je m'en veux trop. Oh, elle me fait de la peine. Elle adore jouer au foot. Oui, j'ai une solution. Alors, je vais prendre ce carton de pizza et l'ouvrir comme ça. Oh, je ne vais pas me gêner. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de pizza, je vais mettre des bouts de scotch au coin. Parfait. Je vais ajouter du papier vert au fond. Et maintenant, on décore. Il faut que ça ressemble à un terrain de foot. Des pailles maintenant. Je vais les plier, les insérer l'une dans l'autre et les coller sur le terrain. On va aussi ajouter des décorations comme dans un stade. C'est bon, c'est ta paille et la mienne est là. Maintenant, souffle. Oh, je vais t'avoir. Tu vas devoir souffler plus fort que ça pour me battre. Oh, tu as failli me battre, mais j'ai une super défense. Hors de question que je te laisse gagner. Oh, ouais, but! J'ai gagné! Allez, revanche. C'est parti. D'un bon casse-croûte. Une délicieuse banane. Juste ce dont j'avais besoin. C'est bizarre. Où est-elle passée? Voleuse de bananes. J'avais faim. Ok, heureusement, il y en a une autre. Elle a l'air bien. N'y pense même pas. Donne-moi ça! En arrière! Prends ça! Oh, une salade! Aucun intérêt! Désolée. Attends! Je reviens tout de suite. Prends une fourchette et une paire de pinces. Utilise la pince pour tordre les dents de la fourchette. Tords-les pour qu'ils soient verticaux. Juste comme ça. Je peux l'utiliser pour couper la banane en tranches. Maintenant, on peut en profiter toutes les deux. Serre-toi. Vraiment? Tu es la meilleure? Miam, 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 miam. Waouh! Alice aime vraiment les bananes. Mon Dieu, je suis fatiguée. Oui, il faut absolument qu'on fasse celui-là. Oh, il nous attend déjà? Waouh, cette pastèque a l'air si bonne. Oh, elle s'est endormie. Hé, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de faire la sieste. Allez, maintenant je dois faire ça toute seule. J'ai une idée. Hé! Oh mon Dieu, c'est quoi ce délire? Comment es-tu enceinte? Ouf! J'ai hâte de t'organiser une baby shower! Attends, calme-toi, c'est juste une farce. Je ne suis pas enceinte. J'ai juste un gros fruit, une pastèque. Waouh, c'est aussi bien qu'un bébé. Je sais ce qu'on devrait faire avec. Donne-moi ça. Hé,
qu'est-ce que tu fais? C'est notre seul melon! Ne t'inquiète pas pour ça, je sais quoi faire. J'ai même un bandeau. Ah, je suis prête à couper ce melon en tranches. Aïe! Oh, oh mon Dieu! Tu es hors de contrôle! Fais attention! Et couper! Et trancher! Ha! Stop! Stop! C'est assez! Mon Dieu! Tu n'as même pas regardé la vidéo, n'est-ce pas? Très bien, voilà le melon. Je vois, je vois. Ils enlèvent la peau avec un couteau. Oh, ils laissent ce morceau de peau au milieu. Et maintenant, ils coupent un peu de melon. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire. Oh, maintenant, ils le coupent en tranches. Oh, j'ai compris! Ils vont être vraiment beaux! C'est vrai! Regarde cette assiette de melon! Super! Waouh! C'est pas vrai! Tu l'as déjà fait! Incroyable! Ouais, je l'ai fait! Tu vois, maintenant tu sais pourquoi j'avais besoin que tu arrêtes de couper! C'est l'heure de goûter! Waouh! Ça, c'est une bonne pastèque! Si douce et juteuse! Que penses-tu qu'il va se passer dans la prochaine vidéo? Oh, regarde ce caramel! Il a l'air délicieux! Et le chocolat? C'est quoi ce bordel? Maintenant, ils l'ont plongé dans l'eau glacée! Oh, je vois! Donc le caramel reste mou sous le chocolat froid! C'est une astuce plutôt chouette! Les gens sont malins! Zut! On a mangé tout notre pop-corn! Il n'y a plus rien! Bon sang, mais je suis toujours en train de grignoter! Attends! Bien sûr, la vidéo! Waouh! La magie nous a entendus et a déjà répondu à nos attentes! Ok, voyons ce que nous avons là-dessous! Oh! Des bananes et des myrtilles! Ouais, voilà les bonnes choses! Ça ne te dérange pas si je le fais? Oh ouais! Donne-moi un peu de cette sauce sucrée aussi! Oh ouais! Ça a l'air tellement bon! Ouvrons l'autre aussi! Voilà le bol d'eau glacée! Plongeons-les dedans! Ça devrait suffire. Ils ont refroidi et se sont figés. Il est temps d'essayer avec mes fruits rouges. Oh mon Dieu! C'est tellement meilleur que ce que je pensais! C'est vrai! Ma banane est géniale aussi! Attends! Je crois que j'ai une idée! Et si je pique mon cornichon avec une brochette? Ah ouais? Je suis un génie! Je vais juste plonger ça dedans. Ouais, juste comme ça! Mieux vaut le plonger dans l'eau glacée maintenant. Il est temps d'essayer! Oh, délicieux! C'est trop bon! Voilà, goûte-le! Beurk, pas question! Éloigne ça de moi! C'est dégoûtant! De toute façon, je n'ai pas besoin de ce cornichon. J'ai cet oignon rouge. Je vais tremper ça à la place. Tu peux garder ton cornichon. Ah, jette un coup d'œil à ça! Incroyable! Ok, il est temps pour moi de manger ça. Dégueu! Ce n'est pas dégoûtant, c'est délicieux! J'adore ça! Ouf! Je pense que je vais me contenter de mon cornichon, merci! Ça a fini par être assez génial, hein? Ouais, et chacune son truc, je suppose. Ah, je vais me servir un bol de céréales. Ah, tomate, t'es sur mon passage. Hé, regarde mes biceps. Ils sont durs comme de la pierre. Ouais, je deviens super musclé. Regarde ça. Ah, qu'est-ce qu'il m'arrive? Thomas, arrête. Repose-moi par terre. T'es en train de me rendre folle. Je veux juste manger mes céréales tranquillement. Hé, rends-moi cette cuillère. Yes! Je savais que je pouvais la plier! Oh! Mais j'utilisais cette cuillère! C'est vraiment le pire! Est-ce que je devrais... Oui, sans hésitation! J'ai cette boîte vide. Maintenant, j'ai besoin d'un ballon. Je vais le glisser à l'intérieur en le fixant à ce fil. Et là, je vais coller l'extrémité du fil au couvercle de la boîte. Parfait! Il est bien attaché. Maintenant, je remets les cornflakes à l'intérieur. Voilà! Et je referme le couvercle. Thomas, j'ai besoin de toi dans la cuisine. Il arrive, c'est le moment de sortir le jeu d'actrice. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à ouvrir ce couvercle. Tu peux m'aider? T'es tellement fort. D'accord, donne-moi ça. Oh, il y a des cornflakes partout. Ça a marché. T'es vraiment tombé dans le panneau. Oh. Ça le regarde. C'est le moment où j'avais de prendre un goûter. Oh, pourquoi ce sac est si dur à ouvrir? Allez, j'ai faim! Oh non, le sac s'est déchiré en deux. Et adieu tout espoir d'un bon goûter. Hé, regarde, plein de bonbons, j'en veux! Ah, c'est à moi, bats les pattes! Oh, il ne m'en reste plus qu'un. Mais non, c'est une blague, c'est trop frustrant. Oh non, tout le monde lui a volé ses bonbons. Je peux peut-être l'aider. Je peux savoir ce que tu fais? Psst, hé, j'ai une solution pour ton problème de bonbons. Regarde ça, c'est ma petite tirelire. Vas-y, appuie sur son nez. T'as vu? C'est un distributeur de bonbons. Je vais te montrer comment en faire un.
D'abord, j'ai pris des bouts de carton comme ça, puis j'en ai ajouté trois autres. Et j'ai ajouté une base. Pour la suite, il va falloir plus de carton, évidemment, mais aussi des petites chevilles. On veut obtenir cette forme. J'ajoute une autre cheville et deux petits élastiques. Là, on peut le mettre dans la boîte qu'on est en train de faire. Ça devrait rentrer facilement. Je vais le glisser jusqu'en bas et accrocher l'élastique aux chevilles comme ça. Je me sers d'une pince à épiler pour que ce soit un peu plus simple. N'oublie pas d'accrocher l'élastique de l'autre côté aussi. Ensuite, j'appuie et le bouton glisse jusqu'à la sortie. Génial! On va recouvrir le mécanisme et ajouter des petites pentes qui vont vers le trou. Il faut aussi recouvrir l'avant pour que ce soit plus joli. On y est presque! J'ai ajouté cette boîte en plastique pour contenir les bonbons et ensuite un beau petit couvercle qui permet de les insérer facilement. Regarde, ça s'ouvre pour pouvoir ajouter des bonbons quand tu le souhaites. Oh, ça a l'air trop bon! Plein de couleurs! Referme le couvercle et on va le décorer un peu. Waouh! Déjà, ces bonbons sont trop bons, mais en plus, ce cochon est trop mignon! Bon, je ferais mieux de retourner à mon bureau. Oh, il est quelle heure? Oh non! Panne d'oreiller! Vite, je dois prendre toutes mes affaires! Il faut que je change de réveil. Attends! Je n'ai pas fait mes devoirs! Oh, ça ne va pas être très long. Ça a l'air dur, ça! Je peux peut-être deviner au hasard. Avec un peu de chance, j'aurai bon. Bon, ça ira comme ça. Allez! Hein? Oh, je suis coincée! Qu'est-ce que... Je vais tirer fort. Allez, lâche! Je veux récupérer ma jupe! Phew! Heureusement qu'il y avait le canapé. Je vais essayer de la décrocher doucement. Ah, c'est mieux! Il faut que je revisse ça, avant que ça ne déchire tous mes habits. Oh, mon foulard! Ça peut faire l'affaire. Ça va être amusant. Je vais mettre du rembourrage sur le tabouret et je vais entourer le tout de mon foulard. Je retourne le tabouret et j'attache le foulard en dessous. Il faut que le tissu soit bien tendu. Bien, on va le retourner. Il reste encore un peu de travail. Je vais agrafer le centre du rembourrage et ici et là. Voilà, ça change tout. C'est beaucoup plus classe comme ça. Et ça n'accrochera plus mes vêtements. Oh, il est tout moelleux. Ah, l'école! Je n'ai pas le temps de rester assise là. Je vous aime, Madame Licorne. Moi, moi. Allez, ma chérie, c'est l'heure de dormir. Au dodo. Mais Licorne! Pas de mais, il est tard. D'accord. Je vais juste enlever ta corne de licorne. Non! Ok, fais de beaux rêves. Bonne nuit, maman. Oh, il fait tout noir. Les monstres vont venir. Ah! Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un monstre dans le noir. Ça va, maman est là. Voici du lait, ça va t'aider à dormir. Merci, maman. Tu es si mignonne. Non! Ne fais pas ça! Sauve-moi, Monsieur Licorne! Pourquoi as-tu fait ça? Attends, ça me donne une idée! Place une pochette en plastique sur un dessin. On va utiliser une licorne parce qu'elles sont trop mignonnes. Commence à dessiner la licorne sur le plastique. Le dessin doit être facile à repasser. Pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Une fois terminé, débarrasse-toi du papier. Trace une ligne en pointillé sur une boîte en carton et découpe-la. Colle la pochette en plastique sur la boîte avec du ruban adhésif. Assure-toi qu'elle ne bouge pas. Prends ensuite une lampe torche et place-la à l'intérieur de la boîte. Referme la boîte et passons à la décoration. Mélange de la peinture phosphorescente à de la peinture blanche. Tu as déjà battu des œufs? Remue bien pour mélanger le tout. Maintenant, il te suffit d'allumer la lampe et laisse parler l'artiste qui est en toi. Cela fera une magnifique peinture qui fera office de veilleuse. Prends ton temps, le résultat doit être parfait. La protection rendra le travail plus facile. Ça semble bien. Je devrais peut-être me mettre à la peinture. Je crois que ça suffit.
plus besoin de ça. Alors, qu'en penses-tu? Waouh! J'adore ça, maman! Je ferais mieux de dormir, je suis fatiguée. Cette licorne est trop belle. Heure du goûter. Voilà, Mindy. Mindy? Ah, te voilà. Mindy, viens manger tes céréales. Des céréales? Miam! J'ai tellement faim! Attends, il manque quelque chose. Où est la cuillère? Je reviens tout de suite. Et voilà! Où est-ce qu'elle est allée? Mindy, qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée! Allez, sors de là! Bouh! Je t'ai fait peur? Donne la cuillère, maman! Voilà! Juste ce qu'il me faut! Maman? Il n'y a pas de lait! Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je suis tellement distraite! J'ai le lait! Et elle est partie! Je savais que ça allait arriver! Mindy? Hein? Qu'est-ce que... Ne fais pas ça, Mindy! Waouh! Tu m'as trouvée! Tu es bonne! Viens par ici! Maintenant, mange! Qu'est-ce que c'est là-bas? Quoi? Adieu! Je ne vois rien! Vraiment? J'arrive pas à croire que je sois tombée dans le panneau! Je sais ce qu'il faut faire! Est-ce vraiment nécessaire, maman? Tu n'iras nulle part! Maintenant, mange tes céréales! On verra bien! Aucune chaîne ne peut me retenir! Oh non, tu restes là! J'ai presque goûté à la liberté! Commence à manger! Tu gagnes cette fois! C'est plutôt bon! Je savais que tu aimerais! Il n'était pas nécessaire que ça se passe ainsi! Je vais te frapper d'un uppercut! Non, non, non! Évite! Évite! C'est ça! Et regarde ça! Le geste final! Ouais! Ça fait vraiment du bien de gagner! Tu ne m'as jamais battu! Il est insupportable quand il gagne! Il se croit meilleur que tout le monde! Je suis sûre qu'il triche! Ou peut-être même qu'il utilise des codes de triche! Ça me donne envie de... Hé! Attends une seconde! J'ai une idée de génie pour lui donner une leçon. J'ai le scotch. Un bon gros morceau. Et maintenant, des ciseaux. Pourquoi est-ce qu'il y a une peluche de chat ici? Eureka! Mon invention de génie est prête! Je peux mettre le plan en action. Thomas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une revanche? Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens-moi ça! C'est un concours de boissons. Sors ton argent. D'accord, le voilà. Ok, 3, 2, 1, bois! Je dois juste boire le plus vite possible et je vais gagner. Comment elle fait pour boire à ce point plus vite que moi? Je dois boire encore plus vite. J'y suis presque, fini! Ouais, j'ai gagné et ça veut dire que j'empoche l'argent. Salut, je vais faire les magasins. Comment elle a fait pour me battre? Attends, elle a triché! J'avais beaucoup plus à boire! Tina! Prête pour une après-midi sans téléphone? Moi, je sais vraiment comment faire la fête. Hein? Kevin m'appelle? Qu'est-ce que je choisis? J'imagine que je dois choisir Kevin. Coucou, ça va? Attends un peu, s'il te plaît. Oh, mon bonbon préféré! J'ai trop de chance! Parfum fraise citron en plus, mon préféré! Oh, c'était ma sucette! J'en veux plus maintenant! Je m'en veux maintenant! Tu vois cette boule en plastique? Ouvre-la! Et remplis-la avec tes bonbons préférés. Maintenant, fais une goutte ici au pistolet à colle et place un grand bâton dessus. Emballe ensuite la sucette avec ton papier favori. Lizzie? Toujours déçue pour ta sucette? Que penses-tu de ces deux-là?
Elles font un bruit de maracas, non? Ça me donne envie de danser! Elle est à toi! Impossible que tu sois encore en colère contre moi! C'est la plus grosse sucette que j'ai jamais vue! Ouvre-la! Oh. Tiens, j'ai l'air un peu bouffi ce matin! Rien de tel qu'un bon brossage bien frais pour se réveiller! Mais il n'en reste plus du tout! Allez, sors! Oh. Tu vas voir ce que tu vas voir! Voilà! Oh non! C'est tout ce qui restait? Oh! Plus qu'une seule chose à faire! Mais où est le papier toilette? Je ne vais pas aller très loin avec ça! Je suis à court de tout aujourd'hui! Je savais que j'aurais dû aller au supermarché hier! J'ai vraiment pas de chance! Dans la douche, tout se passe toujours bien! Mais après la douche, c'est une autre histoire! Aurais-je oublié d'accrocher des serviettes propres? Peut-être que ce rideau fera l'affaire! Il n'y a qu'un moyen de le savoir! Bon, ça a l'air de fonctionner. J'espère seulement qu'on ne me verra pas traverser le... Aïe! Sophia prend un délicieux... Je vais épater tout le monde avec ce délicieux dîner! Le secret, c'est d'utiliser des ingrédients frais. Oh! Ah, on dirait que le poulet est prêt. Ça sent bon! Oh, il est un peu trop cuit. Il aura quand même bon goût. Je peux peut-être arranger ça. Pourquoi la minuterie n'a pas sonné? Ah, c'est de ta faute, saleté de réveil. Je dois trouver une solution. Je sais, je suis trop brillant. Allô? J'aimerais passer une commande. Merci. Déjà, merci beaucoup. Oh, ça sent bien meilleur que mon plat! N'est-ce pas une vraie merveille? Et dans cette assiette, on dirait que c'est ma création! Oh, mon invité! Oh! Ça sent drôlement bon ici! C'est pour moi? Oh, je l'ai fait moi-même! Attention, c'est chaud! Mmh! Oh! C'est pas facile à manger, hein? On peut dire comme ça. Je crois que j'en ai assez mangé. Mais c'était très bon. Hé, laisse-moi te montrer un truc. Prêt? Prends une tortilla et coupe-la comme ceci. Ajoute ensuite différents ingrédients sur chaque quartier. Il peut s'agir de garniture ou de condiments. Puis plie chaque quartier comme ceci, un à la fois. Et le dernier? Parfait! Maintenant, la nourriture restera à l'intérieur. Tiens! Délicieux, non? Tu ne mangeras plus jamais de tacos de la même façon. Poulet est prêt, à table! Phew! Voilà un festin qui met l'eau à la bouche. Oh! Les tomates? J'ai oublié de les mettre dans la salade. Bon, autant s'y mettre tout de suite. À nous deux, les tomates. Thomas est rentré. Oh, trop bien! Tu as acheté ça! Arrête-toi là, bonhomme. Pas de chips tant que ces tomates ne sont pas coupées. Je serai dans le salon. Oh, c'est trop nul! Il y en a combien là-dedans? Ça va me prendre 1000 ans. Mais bon, ce n'est pas très compliqué de couper des tomates, n'est-ce pas? Il suffit de couper au milieu. Je continue. Phew! Sérieusement? C'est tout ce que j'ai fait?
Il en reste combien? Oh, ça ne va jamais finir. Oh, hé, ce couvercle pourrait m'aider. Il est bien plat. Je vais essayer. 7 tomates et un couvercle. Et un seul coup de couteau. Tant que tu tiens bien le couvercle, toutes les tomates peuvent être coupées en deux en même temps. Tu vois? La découpe parfaite. Ça, ça fait gagner du temps. Tout ça grâce à un simple couvercle. Et hop, dans le saladier. Ce truc ne me fait plus peur maintenant. En fait, c'est même plutôt marrant. J'ai fini. Maman, j'ai fini. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Oh, cette série est trop drôle. Oh, je me suis fait avoir. Qu'est-ce que c'est pénible? C'est super long à faire. Je peux peut-être faire une petite pause et m'amuser un peu juste une minute. Je vais mettre l'iPad juste ici. Oh, il faut que je trouve un truc pour le tenir droit. Ça ne va pas marcher. Oh, allez! Ça commence à m'énerver. Je sais comment faire. Ne regarde pas. Tu verras le résultat. C'est mieux comme ça. Ça fait un beau support. C'est beaucoup mieux que les devoirs. J'ouvre le classeur et je mets des points de colle dans les coins. Il faut que ça fasse à peu près la taille d'un iPad. J'ai des bandes élastiques que je vais coller sur mes points de colle. Il faut que ce soit bien fixé. Ensuite, j'ai juste à glisser l'iPad dedans. Ça le maintiendra en place. Malin, je sais. J'adore cette chaîne. David, qu'est-ce que tu fais? Oh oh, je ferais mieux de cacher ça. Passionnant. Tout a l'air d'aller. Bon garçon, continue de travailler comme ça. Évidemment. Alors j'en étais où? C'est trop drôle. Et on s'arrête manger quelque chose? Tu veux faire une pause ici? Un petit peu de sucre va nous donner de l'énergie. Ouais, bonne idée. Ça fait un moment que tu ne t'es pas lavé les mains. Elles sont super sales. Qu'est-ce que tu as touché? Un biais? C'est mon jour de chance. Comme il est mignon. Oh, mes chaussures neuves. C'est bien mieux. Burke, c'est dégoûtant. Sarah, non! Oh, désolée. Tu en voulais? Il a un peu fondu. Ah! Ah! Oh, il faut que je fasse quelque chose. Arrête tout de suite. Tiens, tiens. Je viens d'avoir une idée. Si je pose la bouteille comme ça et que je fais rouler la tablette dessus, elle va se casser en plusieurs morceaux. Sans que j'aie à la toucher. Il faut le faire dans les deux sens. On regarde si ça a marché. Voyons voir ça. Voilà, des carrés, parfait. Attention, pas avec les doigts, d'accord? Un pour toi et un pour moi. Un peu bizarre, mais pourquoi pas? Ça a toujours le même goût délicieux. Bon appétit. C'est sûr que je vais gagner la course. Personne ne peut plus m'arrêter. Salut Suzanne, on se voit au déjeuner la semaine prochaine. Oh là là, on a bien rigolé. J'adore retrouver mes amis. Maman a posé ses clés de voiture juste ici. Bon, je ferais mieux de commencer à préparer le dîner. Et si je... Il faut que je m'approche un peu plus. Elle ne peut pas me voir derrière les fleurs. C'était quoi ce bruit? Ça avait l'air suspect. Bizarre, il n'y a personne. J'échange les fleurs contre cette fougère. Hop! Doucement, doucement! J'y suis! J'ai les clés de voiture! Waouh! De vraies clés! Je vais enfin pouvoir conduire une vraie voiture! Wouh! C'est le meilleur jour de ma vie! Ouf! Lâchez-moi! Je ne conduisais pas si vite que ça! Madame, ce sont les vôtres? Oh non! Pas mon bébé! Et pas ma voiture! Oh bon! Je dois trouver autre chose pour continuer la course!
J'ai ce bout de carton et je vais le découper en plusieurs formes. Ensuite, je mets de la colle sur le dessus comme ça. Et ensuite, en bas, je vais coller une autre pièce de la même taille par-dessus. Voilà, et maintenant, je remets de la colle. J'ajoute un troisième carton, mais celui-là n'est pas troué au milieu. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ajoute de la colle, bien sûr. Et on rajoute un morceau de carton. Voilà, il devrait y avoir assez de couches comme ça. Maintenant, à la peinture. C'est le plus drôle. J'adore ce orange. Il est bien flashy et trop joli. Et voilà! Je vais mettre mon téléphone à l'intérieur. J'avais mesuré avant pour être sûre que ce soit à la bonne taille. Et on reprend du carton et de la colle. On les superpose pour faire des couches. Et l'étape suivante est un peu complexe parce qu'il faut coller cette pièce selon un angle spécifique. Il faut juste attendre que ça sèche. Et quand c'est bon, je peux le peindre! Et maintenant, on assemble tout. Je fais glisser la pile dans l'espace fait pour... Tada! Je me suis fabriqué un repose-téléphone en forme de volant! Vroom vroom! Ouais, je suis première! Personne ne peut me rattraper! Ce jeu est dingue et j'ai le meilleur des volants! Vroom! Comment ça se passe de ton côté, Cheryl? Je peux y jeter un coup d'œil? Ça devrait aider. Il faut juste fabriquer de solides fondations. Ça devrait nous donner un bon point de départ. Il faut juste qu'on réfléchisse de manière logique. Et je pense que ça devrait suffire pour le moment. Tu sais ce que tout ça signifie, non? Il va nous falloir de l'argent pour y arriver. N'en dis pas plus. Tu sais ce qu'il te reste à faire. D'accord, j'attends. Où sont les matériaux? Oh! Les poutres sont arrivées. Merci, les gars. Voici votre facture, mesdames. Oh, une seconde. Voyons voir... Oh, j'ai rien du tout. Ne m'en veuillez pas. Bon, eh bien, je m'en charge. Tenez. Wow! Vous prenez les diamants, pas vrai? Il y en a combien là-dessus? Je prends. À plus! Maintenant, mettons-nous au travail. Prête à porter un peu? Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Je me suis jamais servi de ça avant. Je ne t'entends pas avec tout ce bruit de ponçage. Oh, génial! J'ai l'impression que ça fonctionne. Voyons si c'est à niveau. Parfait. Place aux planches. Y a quelqu'un? Salut, comment tu vas? Regarde ça! C'est vraiment pas mal. Mais attends, on doit encore peindre. J'ai pris un peu d'avance. Ce rose est éblouissant, pas vrai? Il me met de bonne humeur. Pour ma part, je préfère le vert. Joli! Et maintenant, on a chacune ce qu'on aime. Tada! C'est fantastique! Coucou depuis ma nouvelle fenêtre. Mouah. Ça commence vraiment à ressembler à une fête ici. Et dire que j'ai tout fait moi-même. J'espère vraiment que Madison va aimer. Oh, il faut que j'emballe ses cadeaux. Un vrai emballage de professionnel. Merci beaucoup. Oh, la voilà! Où est-ce que je mets ce truc? Ici, elle ne le verra pas. Joyeux anniversaire! Tu as un an de plus! Et c'est l'heure de le fêter! Youpi! Oh non! Son cadeau! Catastrophe! Où est mon cadeau? Ferme les yeux, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Rien de récupérable là-dedans? J'ai trouvé! Je vais transformer ça! Alors, j'utilise de la colle chaude à la base du carré, puis je place un morceau de carton sur le dessus et je refais la même chose. Ensuite, un morceau sur le côté. Voilà! Il ne reste plus qu'à ajouter quelques éléments au milieu. Je fixe le bâton avec de la colle, puis j'ajoute ça au-dessus. Maintenant, je le fais tenir debout et je n'ai plus qu'à assembler plusieurs pièces comme celle-ci ensemble. Une petite touche personnelle. Et ensuite, les bonbons! Tous les bonbons préférés de Madison. Elle va adorer! C'est tout simplement le cadeau parfait! Ouvre les yeux! Joyeux anniversaire sucré! Waouh, c'est génial! Je veux des petits ours d'abord! Cool! Le rouge est ma couleur préférée! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps! Et maintenant un peu de chocolat! C'est fantastique! Laisse-moi t'aider! Dis-moi stop! Waouh! Tout ça rien que pour moi! Des bonbons pour mon petit sucre d'orge! Ouf! Je ne vais pas te laisser gagner cette fois! C'est ce qu'on va voir! Bonne chance! Oh, je n'en ai pas besoin! Hein?
Ne fais pas ça! Je t'en prie, ne fais pas ça! Attends! Non! Tout n'est pas là! Pas au milieu! C'est comme ça que ça marche, hein? Livraison! J'attendais pas de paquet, et toi? Ce truc est énorme, non? On dirait... Je veux dire, regarde, je peux rentrer dedans! Wow! Y a quoi d'autre dedans, Grace? Attention, matelas en mousse en vue! Et qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh! Grace, est-ce que ça va? Tu m'entends? Attends, est-ce qu'elle s'est endormie dans le carton? Elle a l'air tellement apaisée! Ah! Je suis réveillée maintenant! Il est grand temps de se mettre au travail! Il faut juste que je trace quelques traits. Maintenant, ça prend forme. Une idée de ce que c'est? C'est mieux. C'est maintenant que la vraie magie commence. La dernière pièce est officiellement en place. Regardez toutes ces superbes courbes. C'est vraiment une chaise magnifique. Il suffit de la recouvrir d'une couverture douce et la positionner un peu. Et tu t'es trouvé un fauteuil confortable. Wow! Je veux une chaise comme ça de mon côté. En fait, j'ai quelque chose de mieux en tête. Il faut juste réarranger quelques trucs. D'accord, beaucoup de trucs. Il est temps d'agrafer. Ha! Ces trucs sont vraiment costauds. Et ils vont tout maintenir ensemble. Il ne m'en reste plus que quelques-uns. Et voilà! Il ne reste plus qu'à couronner le tout avec Monsieur Couverture ici présent. Ouh, ça a déjà l'air mieux. Oups, j'ai oublié ton autre aileron, mon pote. Et tes yeux. N'est-ce pas la chose la plus mignonne que t'aies jamais vue? Et je vais pouvoir lui faire plein de câlins. Oh. Ah. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bien joué, Cheryl. Bonne nuit. Oh, je vais certainement faire de beaux rêves là-dessus. Je fais la pluie et le beau temps. J'adore, je ne m'en lasse pas. Youpi! Je ne sais plus quoi faire de mon argent. On dirait que j'ai un peu de nettoyage à faire. Attends, je vais t'aider, ma chérie. Oh! S'il te plaît, arrête maintenant, j'insiste. Arrête, hein? Personne ne me dit ce que je dois faire. Oh, bon sang! Ça suffit, Madison! Viens ici tout de suite, je t'ai dit! Gah! Pas si vite! Je suis trop vieux pour ces bêtises! Ouf! Oh, dommage que tu sois si vieux! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh! Une minute! J'ai une idée! J'ai juste besoin d'un peu de carton. Je pose deux chevilles au milieu du carré. Je place des ressorts au-dessus. Maintenant, je rajoute cette pièce sur le dessus, puis j'ajoute tous ces morceaux pour terminer. Ces yeux sont amusants, non? Tu rajoutes un peu de couleur pour l'esthétique. Regarde ce que j'ai fait, ma chérie. Bye. Tu aimes? Regarde comment ça marche. Ça va te plaire. Tu as faim, petite tirelire? Mange! Hein? Laisse-moi essayer! Incroyable! Youpi! Ça marche! Oui, en effet. Et regardez qui ramasse les pièces à présent. C'est beaucoup plus amusant comme ça, hein? Oui, je suis sûre qu'elle a faim. C'est tellement drôle. J'adore. Ah. Et voilà. Ok, les enfants, qui veut m'aider? Laissez-moi voir. Quoi? Je suis le seul ici? Il n'y a personne d'autre. Ok, toi? Bien sûr. Je sais que tu peux y arriver. Je vais essayer. C'est tout ce que je te demande. Ok. Oh, c'est... un bon début. Pas d'inquiétude. Je vais juste faire quelques ajustements. Maintenant, essaye à nouveau avec ça. Si vous y tenez, c'est pas bien difficile. Vous voulez que je dessine les nombres par au-dessus, comme ça? Je vais avoir 20 sur 20 à coup sûr. Le 4. Et le dernier. On dirait que j'ai tout fini. Oups,
petite erreur juste là. Tada! Oh bon sang! Je déteste faire ça, mais... Oh, c'est pas grave. J'ai de quoi la faire changer d'avis. Pour vous, maîtresse. Oh! Essayons donc encore une fois. Voyons voir. Oh, je crois que j'ai trouvé une solution. Pas besoin de ça. Ça, ça devrait fonctionner. Je prends un long rectangle. Je dessine les nombres d'un côté. Ok, me revoilà. Utilise ça. Oh, je n'ai pas besoin de ça. Laisse-moi ajouter un détail. Je vais d'abord améliorer un peu ce support. Regarde-moi ça. Et maintenant, les chiffres brillent, tu vois? Waouh, j'adore tout ce qui scintille. Très bien, essayons donc une dernière fois, d'accord? À toi de jouer. C'est magique. Ça va tout seul, n'est-ce pas? Maintenant, enlevons le pochoir. Et regardez-moi ça. Ces chiffres sont parfaits. Et tu sais ce que ça veut dire? 20 sur 20! C'est ça! Vous pouvez m'applaudir!